Putain, mais Kazakh Pro, ils veulent mon num, ces fils de pute là. C'est pas, même lui, il veut. Putain. Vas-y, donne ton num, nique sa mère, tu bloques le numéro. Oui, allô. Allô. Allô, c'est moi, Julie 90C. Je sais pas si vous m'appelez d'une station radio ou quoi que ce soit. Vous pouvez être poursuivi pour ça. T'es un mec, toi. De quoi? T'es un mec. Je suis une meuf. T'es un mec. Yo les amis, c'est Grodapouf. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la nouvelle vidéo Tinder que vous attendiez tous parce que voilà, vous avez tout niqué sur la dernière vidéo. 500 000 vues presque, hein, vous étiez chaud. Donc voilà, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent de Tinder, je vous invite à le regarder direct. Et sinon, si vous avez la flemme, bah, je rappelle vite fait le principe. En gros, voilà, je suis avec Delta et on fait un fake profil de meuf sur Tinder et on essaye de donner rendez-vous aux gens IRL ou voilà, de les troller tout simplement. Et donc je rappelle que j'utilise le logiciel Parsec qui permet à Delta de voir ce qu'il y a sur mon écran et de décrire aux autres aussi comme moi, comme si on était sur le même PC en fait. Bref, voilà, lâchez un gros like si vous kiffez la série et que vous voulez d'autres épisodes très rapidement. Rejoignez notre Discord si vous voulez troller avec nous. Si vous voulez me soutenir, allez sur mon Utip, regardez des petites pubs tranquillement là. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Ciao bye Chimère. Attends, Vincent, il dit quoi? Tu as bien lu ma bio? C'est quoi sa bio? Profiter sans se prendre la tête, si t'es dans le même bout de ses couches, je te promets pas des grandes balades, mais dans les mains. Oh là là. On s'en branle de sa bio, frère. Je dis non, je m'en branle. Pas français, enculé. Voilà. On va se refaire ban. Mais non. Je suis un peu rebelle dans mon genre, je voulais pas des chips par le bas. J'ai pas, je m'en bats les couilles. Viens, je lui dis. Non, je préfère te le dire tout de suite, je m'en bats les couilles. Vas-y. Ah, crucifié. Crucifié. Putain, pardon. Pas moi. Non, bon, lui, je lui donne pas rendez-vous, mais ouais, il a l'air vénère. Hein. Il défonce ta porte quand il veut. Non, dis-moi pas, je lui réponds. Ouais, je dis pas moi, c'est bon là. C'est bon. Le mec skido. Bah, dis ta race. Tiens, il fait pas le fou avec moi. Viens, on l'embrouille. Attends. Gomme mon gland. Ta mère, elle a pas dit. Il fait pitié lui. Attends. Ta mère est morte, Marc. Que sa ceinture. C'est l'équateur. Il veut jouer au van, on va jouer gros. T'es là d'un bon cassos ça. Marc, ta mère elle a pas dit ça. Alors là c'est à la fois t'as pas de chance hein. Crucifié sur ce renvoi. T'es mal lui mec. T'es mal lui mec, salut moi c'est Edouard. Oh mais lui c'est un putain de triso, parle lui frère. Je suis fan de photos et de vélo. Mec c'est Cédric 2, c'est lui mec. Mais t'es mal mec, c'est le même, t'es mal oui à toi. Attends quoi? T'es mal il rit oui à toi. Mec je te jure c'est Cédric 2 lui. Oui sur Strasbourg. Là je lui dis pareil, oui près de la cathédrale. Vas-y. Salut moi c'est Edouard. Pour lui que t'avais un problème avec ton téléphone ou j'en sais rien tu vois. J'avais un problème avec mon tel bébé. Le petit bébé là pour chauffer un peu tu vois. Ok ouais tu es sur Strasbourg. Dis oui. Enfin. Mais oui je te dis faut que tu donnes rendez-vous là. Genre donne rendez-vous cash dans un café. Toujours il vient lui. Oui. Allez ta mère. Alors cela se passe comment? Oui. Non, réponds pas oui, non, mais donne-lui un putain de rendez-vous à lui, frère. Mais attends, faut que je vois. Mec, il veut pas perdre de temps, il veut juste baiser. Vas-y, donne-lui rendez-vous. Demain, RDV, mais je réfléchis en fait. Ouais.
pardon, mais il est trido le mec, on a envoyé 3 messages, il croit cash, on va lui donner un rendez-vous aussi. Demain, mais, 18h. Hein. On s'échange nos numéros. C'est quoi cette punchline? On s'échange nos numéros. Genre j'envoie demain, tu vois. Pierre, tu l'appelles en masqué demain. Ouais. Ah mais non, je suis con, tu peux pas l'appeler. Si il a capté que c'est un mec. Je me pose pas trop de questions là, ça va, je te plais. Hein. Non, t'es moche. Hein. Non, dis-lui. C'est la meuf, elle me donne rendez-vous, mais elle dit t'es moche. Là. Non, dis-lui, genre, ouais, au calme, tu vois, genre, je sais pas. Je lui dis, ouais, t'es frais, bébé. On fait pas le bébé, mais. Ouais, t'es frais. Mais j'ai en face de moi une bombe qui n'a pas l'air d'avoir froid aux yeux, je me trompe. Ouais, tu te trompes. Non, je lui dis, ouais, j'ai froid à la chatte, hein. Elle m'a chauffé. Non mais non frère. Je me pose pas de questions. Maddy. Putain il a 31 ans quand même hein. Ce chiffre de base c'est qu'ils sont trop Je sais pas depuis combien de temps sur Tinder mais jamais une meuf elle va faire ça au bout de 3-4 messages. Bon. Oh putain Golgueux lui hein. Oh là. Salut ma chérie. Vas-y, lui, réponds-lui. Je suis sûr c'est le genre de mec à qui tu pourras donner un rendez-vous. Tu fais quoi, je me doite. Non, dis un truc sérieux, genre, essaie de lui parler sérieux. Bah, actuellement, je te parle MDR. Gueule-gueule. En vrai, tu lui donnes rendez-vous ce soir devant chez toi, il vient. Frère, il a trop la dalle. Moi je peux te montrer. Père marocain. Puis bah, il commence à casser les couilles lui. Hein. Merde. Viens lui on lui dit Réponds-lui ta mère la pute. Il casse les couilles, c'est bon. Non, viens, on essaye encore un peu de le travailler pour voir s'il y a moyen. Viens on lui demande ta balle. Direct. Hein. Viens, on lui fait genre qu'on est trans. Hein. C'est genre obligé, il va faire ok, bah j'aime les trans et tout. Ok. Bien, il pue okay. Le truc. Là, je lui demande, est-ce que t'aimes les schémas hein, parce que ça. Je suis sûr, on lui dit qu'on est de schémas, il va dire ouais, viens, on se voit et tout. Vas-y. Nouvelle. Tu es schémas là. Oui, un peu. Tiens, là, tu marquais ok. Genre un peu, mais pas trop. Bah, j'ai une bite quoi. Je suis une meuf. Quand même, ah. C'est vrai à dire, mec. Je ne comprends pas. Il est con, lui. Hein. Elle fait une bite. Mais qu'est-ce qu'il casse les couilles avec ses rires, hein, lui. Hein. Bon, il doit avoir le seum, le mec. Mais tu m'as une putain de bombasse, en fait, c'est une schéma, là. Parce que j'avais envie de pardi. Je sais pas. Ça sonnait bien. Dis ta mère. Et tu nais comme un homme. Casse les couilles. Et comme une femme. C'est très compliqué. Que j'ai pas compris, désolé, je te demande beaucoup de choses. Putain, mais qu'est-ce qu'il me casse les couilles, lui. Marc, et je suis toujours une femme. Je suis toujours une femme, mais avec un zizi. C'est le truc qui décrédibilise tout là. C'est une femme exactement. On peut commencer une relation. Donc il y a le mec qui dit ouais, il s'en bat les reins. Oh là, ce qu'il a dit, mec. J'ai une bite. On peut couper, c'est pas grave. Hein. MDR. Tu peux la manger. Tu peux la manger aussi. Hein. Ah. Tu lui dis oui. Oui, Red Fatima. Tu vas faire quoi avec Zizi? Genre, lui demande s'il accepterait de se faire sodomiser. Ouais. Mettre Zizi dans ton cul. Je dis ça ou quoi? Attends, non. Tu pourrais me dire tu es malade ou quoi? Je rigole. Ah. Est-ce que si tu me baises, je pourrais te sodomiser? Après STP. Hein. Mec, je veux dire, on peut lâcher ce qu'on veut, il... Je suis sûr, on est un de ses seuls matchs, il va pas lâcher, mec. Tu es trop mauvais, hein. Tu es trop mauvais. Hein?
T'as cassé les couilles, lui. Hein. Quoi? Hein? Mais chelou, quoi. Kishi. Je vois pas ce mec. Mais quoi? Mais il est trop... Tu es trop mauvais, hein? Ah, tu es trop mauvais au lit, hein? Peut-être. Je suis. T'es trop mauvais. Ah, t'es trop mauvais pour me sodomiser, je pense. Enfin, pour ce. Pour que tu le sodomises, genre. Non, j'ai déjà sodomisé. Je sais faire TKT. Je me suis déjà fait sodo. Soso. Des monétisations directes avec ces conneries là. J'ai perdu ce mec, mais là, je comprends rien à ce qu'il me dit, gros. Genre la conversation, genre lui il comprend pas ce qu'on dit et lui il comprend pas ce qu'il dit. Tu parles, moi je... T'as mal écrit. Non c'est cramé, c'est cramé, c'est cramé. Non, c'est cramé. Mal les couilles. Il m'a dit c'est trop bien. J'ai pas compris toi. Même mieux, il sait pas écrire en vrai de toute façon. Attends d'abord. Non, je rigolais depuis le début. Ah. Ouais, sûr, il va avoir un doute là. Il va se dire, ouais, ça trouve, elle a une truc et tout. Mais tu vois, mais mec, lui, tu le ramènes dans. Non, mais mec, il nique sa mère. Même. Il va venir demain, gros, crois pas. Hein. Il va venir. Vrai. Ouais. Il fait le mec et tout, mais demain, il aura habité en feu, il va venir. Tu vois, voilà. Il a vraiment trop la dalle, quoi. La fac de droite. La fac droite, c'est quoi ce trino? La fac droite, c'est trino, lui. D'ailleurs, et pour lui, dans la fac gauche. Marc lui sirop de gonadine. On m'avait jamais fait celle-là. On n'est pas encore avec Chloé, ça ne serait tardé. Quoi? Ah, ok, des vannes avec Chloé. J'attends la vanne en tout cas. C'est mon premier match. Oh putain. Et je lui dis, et ton dernier? Crucifié! Crucifié! Comment tu vas t'y prendre comment pour me faire supprimer le compte? Je vais pas supprimer, t'auras plus de match, enculé. Hein. Viens, on lui donne rendez-vous aussi à lui là. Vas-y. Mais il y aura 3 mecs de 30 ans de moi là, ça va être un bordel. Hein. Donc, du coup, là on a 3 mecs, hein. On a 3 mecs pour demain. Viens, on en ramène au moins 5. Hein. C'est chaud! En plus, ils ont tous 30 ans, hein. S'ils me chopent, ils vont m'enculer. Hein. Je vais courir, gros. Putain, mais casse avec pourquoi ils veulent mon num, ces fils de pute là. C'est marrant, même lui il veut. Putain. Vas-y, donne ton num, nique sa mère, tu bloques le numéro. Frère, il y a des applications qui permettent de bloquer les numéros. Tu fais ça, frère. Moi ouais, je peux le faire, mais mec, faudra que je gère 5 mecs là ce soir. Bah ouais, mais c'est pas grave, frère. T'es marrant, je sais, ils vont m'appeler même, c'est enculé. Tu dis que tu peux pas parler, j'en sais rien, frère. Vas-y, nique sa mère. Donne-le, tu les bloqueras après. Bon allez, où cet enculé là? Allez tiens salope, régale-toi. Vas-y, donne la Maddy aussi, il va être content. Allez salope. Pourquoi il me dit tu es homme? Non mais quoi, allô? Ouais. Tu as vu ton... Oh non, il a vu ma photo de profil WhatsApp. Putain, je suis con, hein. C'est parce qu'avec le numéro, tu peux voir sur WhatsApp. Ah merde, mais va sur WhatsApp, change ta photo, frère. Dis-lui, dis-lui, c'est l'ancien numéro de mon frère, on a échangé un truc du genre. J'ai pris le numéro. Non, mais ça veut dire, demain, il va me reconnaître, en fait, mec. C'est mort, là. Mais frère, il va pas trouver, tu mets une capuche. Mais bien sûr, avec les lunettes de soleil et tout. Mais frère, tu mets une putain de capuche, frère. T'es mec, cramé. C'est cramé, mais toi, tu... Bon, mais tu mets une capuche, c'est... frère, tu mets une capuche et des lunettes de soleil. Mais frère, il va faire chaud, genre un mec qui vient en pull avec une capuche, gros. Bon, on s'en fout, tu crois vraiment qu'ils vont faire attention à ça? Eh, ça se voit, c'est pas toi qui y vois, toi.
Frère, tu peux te rassurer, frère. Tu seras en sueur. Non, en vrai, je vais y aller tranquille, mais. Change ta photo. En fait, je crois trop, c'est évident les bails, alors que voilà. Non, j'ai pas changé, quoi. En vrai, il m'a dit demain, là. Un mec de 31 ans, il me crame, là. Juré. Change ta putain de photo WhatsApp. En plus, je m'appelle Auguste dessus, gros. Mais change ton pseudo. Tiens, vous cassez les couilles. Donc, tu vas t'appeler Chloé. Il y a tous tes contacts qui vont faire ta changer de sexe ou quoi. Mais t'es mal, les deux ils ont cramé. Ça fait cramer, frère. T'as pourquoi je devais pas donner le numéro, gros, je t'avais dit. Frère, pourquoi t'as WhatsApp aussi, fils de pute? Mais mec, j'ai plus toujours, depuis plusieurs années, gros, rends pas fou. Non, putain. Non, on insulte pas, frère, on peut rattraper le coup large. Ouais, mais ça rend fou. Il y en a deux là, ils savent à peu près à quoi ils ressemblent maintenant. En plus, si je prends ma casquette. Oh putain, j'ai ma casquette sur la photo là. Non, les gens, on les appelle, ça peut être marrant. Parleur. J'ai plus de numéro résumé. Ça marche. Non, viens, ouais, je vais croire que mes cordes vocales et tout, c'est normal, c'est parce que ça, parce que je prends la testo pour ma bite, tu vois. Vas-y. Ouais, mais non, mais on lui a dit que c'était une blague, que t'avais pas de bite. Ouais, mais enfin, on lui dit, j'ai fait une opération des cordes vocales et voilà. Il va y croire, mec. Vas-y. Il appelle ? Allô ? Ouais, allô ? Oh putain. Putain. Je lui dis, fais quoi? T'as raccroché. t'as pas entendu le halo, hein? Non, j'ai pas entendu. Je mettrai à fond. Hein. Mec, le bip, je suis mort, putain. Tu es un homme. Non, rappel, c'était mon frère. Qui me l'a pris. Pour blaguer. Je suis sûr, il va rappeler. Ok, il rappelle. Ouais, ça va, bébé. Ça va, bébé, viens, baise. Bébé. Allô, mec. Allô, mec. Viens, on baise, là, j'ai un petit feu dans le milieu. T'as pas capté, c'est moi qui t'ai appelé. Oh, fils de pute. Mec, t'as pas capté, j'ai mis mon micro. Mais c'est vrai que j'entendais des trucs dans le truc, là. J'entendais des bruits dans le casque, je me disais, what, y'a un écho ou quoi, tu vois. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, moi c'est Chloé. Allô? Allô? Oui, allô? Tu m'entends là? Allô, je vous entends pas là. Ah ouais? Allô? 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 Pourquoi il dit rien, cet enculé, hein? Il a quitté la con, je sais pas, je crois il t'entendait pas, hein? Mais il est chez où, ce con, hein? Moi c'est un appel Skype, c'est de la merde aussi, mais... En vrai, il faut des bien la voix, non? Ça va au début, ouais. Non, vas-y, rappelle encore. Allô? Allô? Ouais. Ouais, dites-moi. Ouais, c'est moi, c'est Chloé. Ah ouais? Ouais, ça, vous avez fait de moi? Ça va, mais ça va, bébé. Comment? Ça va, bébé. Pourquoi vous avez fait de moi? Parce que j'ai la voix grave, mais je suis une fille. Non, je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est un hameçonnage. Non, c'est vrai, moi, je suis vraiment une fille, moi. Alors, c'est quoi le truc? Quel truc? Ah, du coup, vous m'a dit... Vous pouvez être poursuivi pour ça, hein. M'a dit, demain, rendez-vous, alors, à la fac de droit. Non, vous rigolez, je vous entends pas même, vous rigolez, je sais pas si vous m'appelez d'une station radio ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez être poursuivi pour ça. Ah, d'accord? Ouais. Ok. Faites gaffe, hein. Ouais. Allez, salut. Bonne chance. Bonne journée, Mehdi. Mehdi. J'aime trop le mec, il va foutre la pression, vous pouvez être poursuivi pour ça. Vous allez être poursuivi pour faire un canular téléphonique, hein. Mais il croit qu'on appelle depuis une radio et tout. Et là, je sais pas si tu vois ce que c'est, en gros j'ai une bite, mais je suis une fille. Bah ouais, bah je suis T'es sérieuse? Ouais, non mais je suis sérieuse. Après, si t'aimes ça ou pas, c'est toi qui vois, mais... Voilà. Ah ouais, moi je suis hétéro, si tu es belle, ouais.
Ah, t'aimes ça? Enfin, je veux dire, en mode, si tu veux, en mode, tu peux me prendre et tout, mais après, j'aime bien qu'on me suce et tout aussi. Tu peux m'envoyer tes photos, franchement, quoi, franchement. Ouais, des photos de moi, y a pas de soucis. Ouais, tu peux me les envoyer sur, en SMS, sinon. Ok. Et pas de mauvais plans, s'il te plaît. D'accord? Ah, non, que des plans sûrs avec moi. Ok. Non, sur les photos, je veux dire. Ah non. Non, t'inquiète, tu verras tout. Ok, tu m'envoies ça et je te... Ça marche. Ok. Allez, bisous bébé. Me dieron las 4000 pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana... ¡Esto! ¡Dejadme bien los datos! Por si mañana entra otro camión, digo, conmigo no. ¡A mí ya no me coima! Cuando yo vi el saco de mamé, digo, ya no vengo más. What? Attends, Edouard et Siro, ils m'ont supra. Ouais. Putain. Vas-y, coco, mec. Très bizarrement, tu l'as... Créteil, hein. T'es mal le blaze, mec. Là, tu vas péter un pont. Tu vas péter un pont, mec. Ok, tu vois ou pas, là, le truc, hein. Ouais. Julie 1897, Emma, 3 messages, hein. Il y a vraiment... Ouais, mais il y a vraiment des gens qui te parlent instant, genre, là-dessus. Ouais, t'es mal. Mais what the fuck. Salut, dispo. Salut, ça va. Tu suis... 35 ans, moi je dis faut appeler les vieux, ça peut être marrant. Mais avant, mais y a des papas de 35 ans. Hein. Ah, non. Il va envoyer sa bite, 100%, il envoie sa bite. Ah non. Mais je te dis, c'est Nova avec les mecs dessus, c'est des... Mais frère, le nombre de MP que t'as. Il s'appelle Apéro plus câlin. Tu vois, c'est blaze, gros, je te lèche la chatte. Mais c'est what? Mais le nombre. Oui, carrément. Demande des num, on va voir s'il y a des gens qui, genre... Envoie ton num. Mais mec, tu sais que j'étais jamais allé là-dessus, il y a vraiment des gens incroyables, genre. On choisit plusieurs num et on appelle en même temps. Ok, ouais, j'ai deux numéros, mec. Tu t'es fait un coco aussi, là? Ouais. Mec, à vous, tu pètes un bon, gros. Mais frère, genre, je me suis appelé Lucie, je crois. Ouais. Et genre, frère, j'ai 20 MP. 20 MP, hein. Ouais, mais mec, moi, c'est... Ce soir, c'est encore pire, mec, ça a un truc de ouf. Hein. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, c'est moi, Julie 90C. Ouais? Et du coup, tu veux qu'on se voit quand? Bah, je sais pas, tout de suite, si tu veux. Ok, et tu payes combien pour un cuni? Bah, je sais pas, ça dépend, hein, prends combien? Moi, à partir de 100€, je prends. Ah, ok, c'est... C'est bon, ça va, ça marche? Ouais. Ok, nickel. Bah... Est-ce que tu peux me sucer la bite aussi? Pardon? Est-ce que tu suces? Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'en fait, moi, je suis une chémale, tu vois. Ah? Je suis une chémale. Ah, ok. Ça va, ça passe. Ah, c'est bon, ouais. T'aimes pas les chémales? Ah, j'entends moi. Tu peux rappeler, s'il te plaît? Allô, ouais. Allô, monsieur. Police nationale. Police nationale, monsieur, vous entendez ou pas? On a vos coordonnées là. Ok, il raccroche. Mais il fait genre, il entend pas, il a entendu. Ouais, mec, avoue, ouais. Il a cru au début, ma voix, cet enculé là. Ouais, clairement, il était grave chaud, hein. Il a dit quoi, 100€, il est chaud pour un cuni, hein, putain. Allô? Allô, Kader? C'est qui? C'est Julie, moi, c'est Julie. T'es un mec, toi? De quoi? T'es un mec? Je suis une meuf? T'es un mec? Non? Allez, bye, oublie-moi. Ah, au PD, je vais te trouver là, fais pas le fou. Je fréquente pas les PD. Je vais te trouver au PD. PD, je vais t'enculer là, fais pas le fou avec moi. Il a dit, je fréquente pas les PD, cache ce bâtard. Oui, allô? Allô? Ouais, ça va? Et toi? Ça va, tranquille. Du coup, tu payes 100 pour le CUNY?
cramé le cache, ce bâtard, putain. Mais mec, c'est trop cramé, frère.